Bonsoir, pour répondre à ça, et bienvenue sur le PlayStation Maniac, le marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone. C'est pas moi qui le dis, c'était les 7 poches. Très 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 bel article. Ici, je vais faire tout mon possible pour torcher les 1402 jeux pâles sortis en Europe sur PlayStation 1. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Enfin, normalement c'est pas de la merde. Donc là, vous pouvez voir, on est sur Diablo. Au moment où je vous parle, on est sur Diablo, je vous montre ça vite fait. Hop. On est sur Diablo, voilà, c'est beau, c'est les belles ambiances. C'est tout dans le feutré. Ensuite, on passera sur Psybadek, gros jeu, grosse licence, on a très envie d'y jouer. C'est une émission évidemment qui ne m'appartient pas, ce n'est pas moi qui choisis les jeux, c'est vous qui choisissez le jeu à la suite. Petite loterie intempestive, paf, ça tire un vieux au hasard, celui qui a choisi le jeu dans la liste que j'ai monté comme j'ai pu avec mes petits moyens, et évidemment récupéré sur moult forums et compagnie, y compris le site officiel de PlayStation. C'est une émission évidemment qui n'a rien d'original, j'ai repompé comme tout le monde un concept américain, c'est The Mexican Runner qui avait commencé en premier son NES Mania sur des jeux NES. C'était un des seuls mecs que je suivais sur Twitch. Et le jour où j'ai eu enfin une connexion, c'est-à-dire ben là aujourd'hui il y a 2 mois, hein, on est le 8 avril. Chez moi on est le 8 avril. Voilà. Alors attention les coupes à la con, ce sera évidemment mon leitmotiv également sur l'intégralité du marathon. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous donnera envie. On s'amuse bien, la communauté folle, la communauté tendue. Alors, on peut faire même des accents québécois là pour expliquer un petit peu le truc qui est complètement tangible. Beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup de rigolade. Beaucoup de sel aussi, parce qu'il y a des jeux qui sont quand même très 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 dégueulasses. Bon, j'ai déjà fait Bubsy 3D pour ceux qui demanderaient, parce qu'évidemment, c'est une des questions qui reviennent le plus souvent. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Pour l'instant, je stream du dimanche au jeudi de 22h à 4h du matin. C'est possible aussi que je stream des fois le vendredi après-midi, un petit peu le week-end, enfin un petit peu quand j'ai envie. J'essaie de faire un planning quand même, un truc qui vous permette de me suivre de manière extrêmement confortable. Mais on est, tu vois, je me pose, faut savoir se poser, on est bien. Mais voilà, donc je vous fais des bisous, des câlins. Ensuite je refais la courbe, c'est-à-dire je fais des câlins puis des bisous. Et je vous dis écoute, à bientôt, n'hésitez pas à passer, ne serait-ce que faire un coucou, ou dire mais c'est quoi cette merde, ou alors c'est génial. Ou un entre-deux, hein, c'est souvent un entre-deux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis 2 secondes, mais du coup la vidéo est dégueulasse. Parce que si le mec commence à réfléchir, là, il finit comme ça, genre... c'est foiré, on reprend. Et non. J'ai pas envie, c'est très bien comme ça. Allez les gars, des bisous. N'hésitez pas à venir, calez-vous, verrez la communauté est juste délicieuse. Ça se passe très bien. Ça troll peu. Enfin, moi, ça me troll moi, évidemment. Quand tu fais des jeux dégueulasses, c'est forcément du troll. Mais c'est beau. Des bisous.